Ah non, mais je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce que c'est que cette gueule de cadavre? Ah, je le sais, Michel, toi derrière ton écran. C'est juste que Kiki est malade, voilà. Un coup de froid, tu vois, entre la neige, un petit peu de soleil, et puis bim, ça tombe sur la gueule. Du coup, effectivement, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Voilà. Donc on reprend du service, difficilement, avec les yeux éclatés, une grosse envie de dormir, mais on reprend du service en fait. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Suicide Guys les amis et on en était où? On était à l'épisode 14. L'épisode 14, oh là la fatigue, le level 14 Kiki. Alors on va y accéder, on va regarder ce que ça donne. Alors normalement le niveau 14 c'est un niveau chiant avec une grue, ça s'arrêtait là. Ah voilà, alors ici on a la voiture, on va devoir trouver un moyen de se tuer. Donc oui, avant que j'arrête la vidéo... Sur l'ancien épisode, moi j'avais trouvé un petit peu la technique. En fait, quand on appuie sur ce bouton-là, ça se compresse. Donc moi, j'avais trouvé la technique de monter dans la voiture, de la mettre sur la petite croix. Mais évidemment, Kiki a son permis, ne l'oublions pas. Regardez-moi ça. Voilà. Je connais pas beaucoup de voitures qui tournent comme ça, mais bon. Hop, voilà. Voilà. Se mettre techniquement comme ça. Ça devrait être pas mal. Voilà, on s'en va. On va aimanter la bagnole. Regardez, vous allez voir. Vous allez voir, c'est totalement incroyable ce qui va se dérouler. Ah, attendez. Hop, on appuie là. Voilà. On regarde que l'ombre se mette bien. On appuie. Voilà. Donc là, on va poser la voiture juste ici. Ça sera très bien. Voilà. Et là... Moi, je vous le donne en mille, ce qu'il va falloir faire, les amis. En fait, on va devoir, je pense, appuyer sur le champignon qu'on a à côté. On va appuyer sur le bouton, on va tracer vite à la bagnole. On va voir combien de temps il nous faut pour tracer à la bagnole, quand même. Pour voir si c'est faisable ou pas. Déjà, il faudra pas que je me coince pour pas perdre de temps. Ouais, déjà, ça part très mal. Déjà, on part sur un truc où faut qu'on s'entraîne avant, parce que là... Ça sent la merde. Je suis désolée si je parle du nez. C'est hyper désagréable pour vous. Comment je vais monter par là? Ça va être chouette. À moins que je peux monter direct depuis le côté. Oh bah, ce sera plus simple comme ça. On montera directement depuis le côté. Voilà, c'est ça, je pense. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a moyen? Genre qu'on recule avant? Si vous voyez la croix. Je pense qu'il faut qu'on se mette plus par là. Voilà. Là, je pense qu'on serait pas mal du coup. Donc, on va redescendre. Faut pas qu'on oublie de passer par là. Je sais pas comment on va faire. Ça va être un gros bordel. Je le sens. Allez. Quand même, le seul truc. Le jeu de ouf où tu dois te suicider, quoi. Super le concept du jeu, quoi. Les développeurs, c'est pas possible. Le gars était... Ah putain, ça part très mal. Le développeur était suicidaire. Je sais pas comment ça s'est passé à ce moment-là. Voilà. Là, on trace à l'intérieur. Bam! Voilà, c'est bon, on y est. Oh, on y est! On va pouvoir se faire couper en deux, les amis. C'est bon, une tranche de pain de mie. Une tranche de pain de mie, c'est tout. Oh, les petits yeux de nain que j'ai. Mon Dieu, on dirait que je suis comme ça. On a réussi. Je sais plus, par contre, si on a... je crois qu'on a pas ramassé la statuette, du coup. Ah bah... Ah, si, on l'a ramassée, mais là, on l'avait pas ramassée. Cet épisode-là... Enfin, cet épisode-là... Ce passage-là était mon préféré quand même avec la petite baignoire. Oh, un chapeau de sorcier. Yeah, est-ce qu'on a un level à la Harry Potter? Ça serait trop bien. Avec de la sorcellerie et compagnie. Oh. Ouais. Trop bien. Ah, on doit faire une recette. Cool. Alors. Souris. Oh merde. Viens là. Alors, c'est tout ce qu'on doit mettre dans le chaudron. Ok, donc on doit mettre tout ça, après c'est égal mort. Donc on doit mettre une poule, un lapin, une souris, la souris elle est là. Un os, le livre, ça fera la mort. Ok. Donc on va voir tous les placards. C'est trop stylé. Ah, la poule. Ah, d'ailleurs ça fait penser à une petite vidéo que j'avais vue sur internet. Qui était bien pérave, mais qui était assez drôle. Moi, je me fous dedans. Oh! Yes! Donc, on a mis ça. Ensuite, il faut mettre quoi? Un lapin. Est-ce qu'on peut tout ouvrir? Ça se voit pas.
Ah, on peut sortir? On peut pas sortir. Est-ce qu'on peut pousser peut-être ça? Yeah, on peut pousser ça. Oh, le lapin! Bordel, le lapin! Oh, le lapin! Il faut qu'on le chope. Enfoiré, reviens! Reviens! On a besoin de toi pour une vidéo! Yes, on l'a! Oh, le pauvre! C'est infâme ce qu'on a fait! Tout ça pour aller dans le chaudron. Eh bah, dis donc. C'est quand même une journée de merde pour un lapin. Voilà, attendez. Voilà. On passe. Oh, pauvre lapin! Bim! Ensuite, il faut quoi? Oui, la souris, sauf que comment je chope la souris? Alors oui, de temps en temps, il y aura quelques coupures au montage. Effectivement, vous allez voir des petites coupures. C'est normal, c'est que je me bouge toutes les deux secondes. J'ai à peu près 44 paquets de mouchoirs sur mon bureau. Je ne parle pas des tonnes de mouchoirs à côté. Et voilà, c'est pour vous éviter tout simplement les choses dégueulasses de la vie. Ah, là, le frampton. Ouais, ça l'a tiré. Ça en bat les couilles, hein. Attendez, on va lui mettre devant le pif. Oh putain! Ok. Oh la pauvre. Oh c'est immonde ce qu'on fait, c'est immonde. Oh putain c'est affreux. Ensuite il nous faut quoi d'autre? Alors pour faire un bon bouillon, il vous faudra. Il nous faut un os et le livre qui est là. Un os. On n'a pas d'os ici. Oh! Là. Du coup un cimetière. Et du coup mon cerveau aussi met 10 ans à réfléchir. Il y a un peu de brume dedans. Bon alors on va trouver quelque chose pour le déterrer je pense. On va chercher ça. Du coup les copains vite fait, il y a pas mal de vidéos du coup qui vont sortir sur la chaîne. J'ai tout prévu. Plein de vidéos que vous m'avez demandé, que vous voulez revoir sur la chaîne. Arc Aberration, vous m'avez demandé sur le live de samedi. Oui ça va venir sur la chaîne. Et oui vous allez en manger du Arc Aberration. Oh le bruit bizarre. Oui, il va y avoir beaucoup d'Arc Aberration sur la chaîne parce que c'est, voilà, Arc, c'est un jeu que j'adore. Et là, Arc Aberration, j'ai vraiment hâte de voir les nouvelles structures, les nouveaux monstres, tout le nouveau système. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc ça va être avec plaisir, les amis. Donc, Arc Aberration, ça sort le 12 décembre. Putain, là, il y a une pelle. Arc Aberration, ça sort le 12 décembre. Et à partir du 12 décembre, donc le 13 en fait, techniquement, vous allez avoir des vidéos dessus. Et beaucoup de vidéos, du coup, sur Arc. Il y a aussi plein de vidéos de Noël qui vont arriver puisque voilà vous savez que j'adore les périodes de Noël. Halloween reste ma préférée quand même. On va faire plein de vidéos de Noël pour rigoler, ça va être sympa. On va continuer les lives en parallèle le samedi et le dimanche sur la chaîne. Il y a aussi du Human Fall Flight qui va revenir. Il y a plein de jeux. Plein de jeux qui vous plaisent et ça fait tellement plaisir de... Comment... Qu'est-ce que... J'ai lâché ma pelle. Et je crois que l'appel elle est tombée dedans. Bon on recommence le level, on se retrouve tout de suite. Bon c'est bon, on a pu récupérer l'appel du coup. Alors on va aller déterrer un petit peu tout ça en espérant qu'elle passe pas sous map. D'ailleurs, oui alors ces derniers temps j'avais oublié de vous dire aussi, je mets beaucoup les rediffusions. Ah oui, en fait je vais maintenir le clic gauche. Il est là l'os. Ah bah là étrangement elle passe pas sous map hein. Donc en fait vous avez été nombreux à me dire que c'était cool que je mette les rediffusions sur la chaîne principale. Et je trouve ça cool aussi de la remettre sur la chaîne principale. Je voulais faire une chaîne secondaire dédiée uniquement aux rediffusions. Et je me dis que non finalement ça vaut peut-être pas le coup. Donc je vais laisser comme ça, je trouve ça bien pour tous ceux qui n'ont pas pu assister au live. Justement comme ça vous pouvez le regarder tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah le livre, il ne reste plus qu'à mettre le livre. Allez on clap, on met dedans, voilà. Ah c'est tout noir là. Ah je l'ai bu. Là je pense que je vais mourir, voilà. Ah j'ai explosé même je crois. Je crois qu'il y a eu un bruit d'explosion. Donc j'ai carrément explosé, super. Grosse ambiance. Ah mais mince si j'ai recommencé le niveau du coup j'ai pas pris la statue. Ah c'est bon. Ok, oh cool. On va voir ce que ça va être. Ouais du coup je trouve ça bien en fait de poster les rediffusions comme je le fais. Comme beaucoup d'ailleurs d'entre vous qui n'étaient pas là pendant... qui était pas là pour The Forest là, samedi et dimanche. Du coup j'ai décidé de mettre les rediffusions, je trouve ça plus pratique. Alors attendez. Ok. Oh c'est un parc d'attractions mais il fait glauque. Un ticket. Ah alors attendez. Donc là si je le mets dedans. Ah là j'ai un point. Ok. Alors on va jouer. Cool. Ah, trop bien. Pah. Merde. Comment on lance déjà? Ok, cool. Merde. Oh.
Oh, je suis nulle. Oh, je suis mauvaise. On appuie. Je veux des balles. Ah, oh, merde. Je suis coincée. Bah, du coup, un ticket. Bon, toujours ça de prix. Bon, un, c'est pas fameux. Je vois pas comment on fait pour avoir 10 000. Hein. Il doit y avoir un jeu de ouf. Game Station. Y'a rien. Attendez, faut que je regarde. Analysons. Écoutez, vous savez quoi? On va faire 5 pour débloquer. Voilà. Comme ça, on va débloquer déjà... J'ai plus le nom. Pff, mon cerveau, il est plus irrigué. Y a plus rien, là. Alors. Voilà. Ah, mais attendez, regardez. D'accord. Bah, attendez. Je peux en faire tomber plein. Ta-ta-da. Ok. Ok. Donc. Ah, mais alors attendez, je peux peut-être refaire les piafs. Et dans ce cas-là. Voilà. Technique de tricheur, tu sais. Ah non, ça marche pas. Ah bah si, du coup. Ah, ça marche, ça marche. Ok, on est bien. Je sais pas si ça va faire l'équivalent de combien de points. Alors. Concentration. Oh yes! On a eu 100 du coup. Yeah! 100, on avait le flingue. Yeah! Oh! Ok, donc là je pense qu'on va pouvoir avoir encore plus de points du coup. Quoi? Allez, on est bien là. Regardez. On a eu 5000 et c'est 10 000. Bon, bon, on fait pareil. On a combien? Yeah, on refait pareil et puis c'est bon, je pense, les copains. Allez, on rappuie. Normalement, ça devrait passer. Yeah! On est bien, c'est bon. Alors. Ah ouais. Alors là, par contre, est-ce qu'on peut péter ça? Ce serait trop bien. Ah oui! Bon, bah, je propose alors qu'on fasse ça. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on pouvait faire, de toute façon, les copains. On pouvait pas faire autrement. Hein. Bon. Ok, bon, bah, c'était cool, quand même. Oh, une vache! Oula, c'est quoi, le leveling? L'amour est dans le pré. Attention, hein. Vous devez ne pas regarder l'émission sur... Oh! Oh, putain! Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Il y a une statue en haut. Je crois qu'il y a la statue. On peut que avancer la machine. Est-ce qu'il faut mettre la vache dessus? Attendez, on va faire un truc. Carrément pas bien, mais on va le faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça se trouve, il fallait même pas faire le truc comme ça, c'est pas grave. Oh. Ouais. Alors. Ah, bah j'ai réussi à monter en fait. Alors, ce que ça va faire. Ensuite, mais j'ai la loupe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de la loupe? On va voir. On va appuyer. Oh putain! Oh bordel!
Oh merde, la vache! Putain, merde! La meumeu! Donc attendez, avec les rayons de la lumière, il y a peut-être moyen, hein, qu'on fasse un truc, hein, que la vache s'est envolée. Bon, du coup, on va recommencer le passage avec la vache, puisque l'item avait encore disparu, décidément. Donc on va rappuyer sur le bouton. Le passage quand la vache décolle est incroyable. Je m'attendais pas à une chute pareille, je pensais que ça allait être une connerie, mais je savais pas que c'était la vache qui allait décoller, quoi. Donc hop, on va remonter, et je pense que du coup, c'est avec la loupe qu'il va falloir faire un truc. Ah, voilà. Est-ce qu'il aurait fallu que je dégage avant le... Oh non, c'est chiant. Voilà. Ah, alors attendez, on va réessayer. Et cette fois-ci, on va rallumer pour voir. Avec la chaleur, peut-être que ça va péter. Et ça va faire tout péter. Ah, voilà, c'est bon. Ah, bah voilà, c'est bon. Il y a le feu dans la grange, ça y est, ça pète. Hein. Ah, ça prend très vite, hein. Feu de cheminée, hein. Non, bah c'est bon, on avait réussi, en fait. Ça prend hyper vite, quand même. Ah, je pense que ça s'aggrave, en fait. Non, je... Bon, allez, on saute dans les flammes. Là, on est dans les flammes. Fin de l'histoire, les amis, fin de l'histoire. C'est triste comment ça se termine. Allez, on s'en fait un petit dernier, puis on s'arrête là, les copains. Oh, putain! C'est un dragon? Oh, putain, il y a un dragon. Alors là, je pense que ça va être très rapide, hein, pour se faire défoncer. Je suis alors avancé vers lui, je pense, hein. Qu'est-ce qu'il y a une machine à laver? Non, mais là, je pense qu'on a juste besoin de s'avancer vers lui. Il va nous défoncer, hein. J'ai peur, ce dragon, n'empêche. Vous connaissez, vous savez que j'adore les dragons, mais quand même... Cette connerie. Et en plus, il y a des. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, un monde. Il y a deux caisses. Donc, pour qu'il y ait des caisses, c'est qu'on doit s'en. C'est qu'on est censé s'en servir. Technique. Ah, il y a des toilettes. Donc le but, c'est de faire du bruit pour le réveiller, en fait. Alors, attendez. Tout simplement. Ouais, ouais, c'est bon. Ça passe, c'est bon. Tranquille, tranquille. Ok. Ah, réveil. Oh, putain. Ah, il va nous défoncer la gueule. Ah, il faut mettre plein de trucs pour faire du bruit, je pense. Oh, putain, alors là, il va se vénérer. Déjà, ça nous fait ouvrir un peu les yeux. Écoutez, on va... Ah, on peut aller plus loin. Ah, donc ça m'étonnerait pas qu'il y a... Oh, putain. Ah, là, ça va être le truc ultime. Ah, vous inquiétez pas qu'on va le réveiller, là. Ok, donc on pouvait aller... On pouvait passer derrière. Ok. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'arrive pas à trouver le moyen de faire en sorte qu'il se réveille. Alors, il y a peut-être un truc que j'ai raté. Dites-le-moi dans les messages. On va s'arrêter là pour pouvoir. Je sais pas, mais il n'y a pas d'autres items à ramasser. J'en ai pas trouvé d'autres. Écoutez, on va s'arrêter là, les copains. Non, on va s'arrêter là, les loulous. J'espère entendre que cet épisode de Suicide Guy vous aura plu. J'essaie de le réveiller tant bien que mal, mais le truc, c'est pire que la belle au bois dormant, ça marche pas. Je sais pas pourquoi il veut pas se réveiller. Je force, hein. Pourtant, croyez-moi, je force. Non, hein. Oh, bon, on va laisser tomber. On va laisser tomber, ça sert à rien. Du coup, les copains, j'espère vraiment que cet épisode sur Suicide Guide vous aura plu. Encore désolé pour ma voix médiocre et ma tête de gouloum. Mais voilà, quand on est malade, on est malade. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je suis plus trop présente sur Snapchat en ce moment, surtout depuis leur dernière mise à jour Pérave. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Je me soigne et ça va revenir. Donc, du coup, par contre, si vous avez trouvé concernant Suicide Guide pour le dragon, comment faire, bah dites-le moi parce que, à moins que j'oublie un item, mais je suis sûre de rien avoir oublié pour le coup. Bon, écoutez, on verra bien. Je vous fais de gros bisous, du coup. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.